Je vous présente un nouveau challenger, 22 ans, Camille, qui nous vient de La Réunion. Il n'y a pas de problème, on est là pour s'amuser, on est là pour du challenge. La drague ou pas? Non, oh là 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 là, c'est pire en pire. C'est les vraies rencontres en vrai qui sont les mieux. Donc on a croisé son ex. Ton ex-copain? Oula, c'est bizarre. Oh, le blacklist de ouf. Tu vis sur une planète? Non. C'est la base de la vie, hein. C'est la vérité. Ah non, ça veut pas mon téléphone. C'est elle? Mais c'est elle. Venir, merci. Si je la revois pas, j'ai trop seul. Fini. Cet homme est recherché. Non mais t'inquiète, ça va, je suis... je suis cool. Là il est cramé, dans le secteur il est cramé là. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous présente un nouveau challenger, 22 ans, Camille, qui nous vient de La Réunion. Ouais, c'est ça. Mais ça fait quelques années que t'es en France. Ouais, ça fait enfin, ça. En France. Il y a un moment tué, c'est La Réunion, c'est la France. À Paris, attention, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah en fait, je suis étudiant en biologie. Voilà, donc ça se passe et après, je vais partir à Bruxelles pour faire continuer des études, changer de voie, aller en pharmacie, donc voilà, tranquille. Et sur ton temps libre, tu fais des photos, c'est ça? Ouais. Ouais, tu veux pas parler, c'est, si c'est des photos un peu osées, non? Non, c'est pas des photos osées, mais en tu as une âme artistique, tu as une âme artistique, c'est pour ça que... Ouais, un petit peu, j'aime la musique, j'aime aller en concert, je fais un petit peu de mix, mais très rarement, tu vois, mais c'est juste un kiff pour moi, j'aime le sport, le street workout, bon, après, petit niveau quand même, on va pas abuser. Donc par rapport à ta vie qui a l'air tout bien remplie, est-ce que le fait de ne pas avoir eu le courage de faire ça, est-ce que tu penses que ça vient de quelque chose? Parce que t'as l'air à dire d'être à l'aise, ouais. Qu'est-ce qui te bloque quand c'est une fille? Bah, en vrai, en soi, je peux venir parler à une personne sans qu'il y ait d'a priori ou pas, mais c'est juste peut-être passer le cap de séduire, tu vois, pour dire que bah, tu me plais, voilà, que ça puisse s'enchaîner. En vrai, dans la rue, je vois des filles mais magnifiques, on se croise le regard et voilà, mais j'ose même pas, je me dis bon, c'est pas grave quoi. Mais tu te dis quoi? Elle te croise du regard, elle te regarde, tu te dis... Oui, mais je vais pas la déranger. On t'as a peur parlé, de déranger, voilà, c'est ça. On va de un point A à un point B. Donc forcément, c'est pour ça que j'ai choisi là, franchement, je vais être... Tu vas te confronter, ouais, tu vas je vais te confronter, c'est aussi mes potes qui m'ont poussé aussi, un streamer aussi qui m'avait poussé, qui s'appelle Freeman, et qui voulait qu'un de ses viewers vienne, et qui regarde beaucoup tes vidéos, et il a dit, bah, ce serait cool. Donc tu as été envoyé, tu as été l'élu? Ouais, mais si je me foire, mettez pas ça dans la séquence. Voilà, on est là pour s'amuser, on est là pour passer du bon temps, et voilà, c'est tout quoi. Et en plus, c'est super beau, c'est trop bien. Ouais, belle journée. Ouais. Donc bah cool, bah courage à toi. Si vous voulez candidater comme Camille, vous pouvez m'envoyer votre candidature. Si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé, voire un coup de pied au cul, vous pouvez également me contacter. Si vous voulez l'encourager, mettez un gros pouce bleu. Et c'est parti, on y va, bon visionnage. Comment tu te sens? Je suis stressé. Bah attends. T'as à chaque fois j'oublie là. Alors, on y va. Comment ça marche? Je pense qu'il faut la serrer pas mal. Je crois que le rythme c'est là, 87. Voilà. Là on est à 5, bon c'est un bug, moi j'étais à 57, c'était 57, mais là ça sera plus. Alors, donc comment tu te sens? Bah écoute, il fait beau, il fait chaud. La première je pense que ça va être le plus compliqué, mais après ça va aller je pense. Ça va bien se passer je pense. En vrai on est là pour s'amuser, on est là pour du challenge. C'est ça, ils veulent du challenge. On veut du challenge. Donc tu me dis un mot et je le mets dedans. Non, mais commençons simple, voilà c'est les premières, moi je vais voir un peu comment tu te débrouilles. Ok. Et voilà, on reste gentleman, bienveillant. Sympathique, bonne énergie, ouais, c'est plus ça. Important. Là il fait beau en plus, donc moi je sais comment ça se passe, les jours où il fait beau, c'est toujours plus agréable, les filles s'arrêtent plus facilement, bon, elles sont plus souriantes. Mais toi tu le vois quoi, plutôt en mode fun, en mode... Franchement c'est mode surpassement de moi-même et... Après avec un petit peu le stress, je sais pas si je vais être marrant, je vais plus me ridiculiser qu'autre chose, mais bon ça peut faire rire. Voilà, 132 c'est ça, c'était bloqué, donc tiens, donc là ça fonctionne. Donc là, la petite montée d'adrénaline est là, 132 BPM. Donc tu vas voir, mais ça c'est parce que c'est la première. Après, ça va redescendre. Bien, ta petite bouteille d'eau, on a tout, t'as mangé. Ton style, c'est plutôt quoi? Alors t'as 22 ans déjà, ouais. De quel âge à quel âge? Fourchette d'âge. Je vais pas toucher les 17 ans, non, c'est pas possible. Et blonde, donc tu dis blonde? Ouais, blonde, sympa, un petit peu artiste, voilà, en mode chill, tranquille. Moi, ça me fait pas peur en mode critère de beauté, pour moi, ça n'existe pas. Si je peux voir une fille incroyable, comme tu dis, une fusée, mais moi, ça va pas me faire peur d'aborder, quoi, vraiment. C'est juste le premier contact qui va être compliqué. Bonjour, excusez-moi. Bonjour. Salut, je vous ai vu de l'autre côté et en fait je vous ai juste trouvé très ravissante et voilà, je voulais pas trop vous déranger et tout. Déjà, je suis désolée, je suis blessée.
Non, il n'y a pas de problème. Bah, merci, au revoir. Bon, elle n'avait pas l'air intéressée du tout. Hein. Comment tu te sens? Je suis molle. 135. C'est monté à combien? Putain, c'est vraiment éclaté. Ça coûte 500 balles, ça marche même pas. 147, les gars, regardez. 147. Oh putain. Oh, je me suis fait. Ça se voyait qu'elle était pas intéressée en plus, on se regarde. Mais elle avait des trop beaux yeux, genre, c'est abusé. Elle te paraissait avoir quel âge? Moi j'aurais dit 28 ans. Ah, c'est pour ça que tu la voyais? Ouais. Si elle avait eu, je sais pas, 5 ans de moins, tu penses que tu l'aurais dû voyer? Ouais. Bon, c'est non, voilà, c'est pas grave. Là, ça se voit que t'as voulu faire vraiment le. Enfin, c'est pas que t'as voulu faire, c'est que t'es nice guy, t'es gentil, gendre idéal. Donc, t'es trop poli, trop respectueux. Donc, t'as mis trop de distance à vous voyer. Ça, c'est juste dommage, mais c'est souvent on fait ça. Parce que justement, t'avais peur de la réaction. C'est ce que t'avais dit un petit peu au début. Tu dis oui, mais comment elle va réagir? Donc là, t'as mis trop de forme. Et tutoie, donc déjà ne vous voit pas. Et là, elle te dit ah, c'est gentil, mais j'ai pas le temps. Et toi, t'as dit ah, bah d'accord, au revoir. Le réflexe, tu suis mes vidéos, c'est la fille te dit elle a pas le temps. Là, il y a 8 filles sur 10 qui vont te dire qu'elles ont pas le temps. Okay. Alors, c'est du mytho, on est samedi après-midi, elle se balade, donc c'est du mytho. Tu dis ah, ça tombe bien, moi non plus, j'ai pas le temps, je dois y aller, mais regarde ce qu'on fait. Je sais que c'est ah, pas putain, super rapide. Je suis trop con. Tout ce qu'elle te dit, tu répètes. T'as pas le temps, bah ça tombe bien, moi non plus, j'ai pas le temps, je rejoins mes amis. Ah, t'as un rendez-vous, moi aussi j'ai rendez-vous. Bah regarde ce qu'on fait. On reste en contact, c'est ta WhatsApp, ok. Et ça n'engage à rien, tatatatata. Ça, c'est dommage. Mais bon, c'est pas dommage. C'est juste, faut que tu aies ce réflexe-là. Salut, excuse-moi. J'étais aperçu de l'autre côté et j'ai failli me faire écraser, c'est horrible. Et donc, en fait, je te trouvais trop belle, t'avais un trop beau style. Mais vraiment, et je me suis dit que bah, j'allais venir te parler et tout. J'ai vraiment pas l'habitude, mais je me suis dit, tiens, faut pas que je laisse tomber. Trop sympa. Il n'y a pas de problème. Ouais, j'ai un copain, par contre, je suis d'accord, désolée. Ok, ouais. À Kevin, c'est ça. Ouais, non, c'est pas Kevin. Non. Non, il n'y a pas de problème. Ouais. Bon, en tout cas, parce que ma journée, j'ai failli me faire écraser pour rien, mais au moins. Non, mais c'est trop gentil, merci. Non, mais il n'y a pas de problème. Vas-y, je passe une bonne journée. Ouais, ciao. Salut. Donc, bon, déjà, c'était mieux. Ouais, franchement, c'était mieux. C'était mieux. Bon, après, tu mets beaucoup d'enjeux, tu vois, tu t'engages à fond. C'est... Là, on avait l'impression que tu rentrais la femme de ta vie. Mais je rigolais. Et ça lui a fait plaisir, t'as vu? Ouais, ça lui a fait plaisir. Ouais. Ça t'a fait quoi de la voir si réceptive? Parce que pour le coup, la première, ouais. Elle était moins réceptive. Oh, elle était pas du tout réceptive. Alors que là, tu lui as refait sa journée. Hein. Bah, tant mieux. Hein. Tu verras, mais t'as un peu foncé sur elle direct. C'est-à-dire qu'elle était arrêtée, elle était sur place. Et toi, limite, t'as commencé à courir vers elle. Oh, t'as couru. Non, mais... Et après, t'es allé lui parler en fonçant. Donc c'est bien, parce que moi, t'y vas. Il y en a, ils tergiversent trop. Toi, c'est l'inverse. Elle était en train de regarder la vitrine. T'aurais pu arriver tranquillement, attendre qu'elle te regarde. Mais c'est bien, c'est bien. Bah, moi, c'est la bonne énergie, c'est ça. Elle a vu que t'étais un peu stressé, donc n'hésite pas à dire. Ah, mais vraiment, j'ai vraiment pas du tout l'habitude de faire ça. De toute façon, elle s'en rend compte. Et ça, c'est bien, ça, c'est ce que je dis, ça vous donne des points. Au début, vous avez un bonus, point d'innocence. Elle voit que vous n'êtes pas à l'aise, donc c'est que vous n'êtes pas le dragueur de service. Et ça vous fait gagner des points. Bonjour, excusez-moi. Salut, excusez-moi, je vous ai juste vu de l'autre côté et je trouvais que tu dégageais trop une belle énergie. Et vraiment, voilà, non. Pourtant, c'est... je suis agacée par les touristes. Quoi? Pourtant, je suis agacée par les touristes. Je suis un touriste, moi? Non, mais en général. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils font, les touristes? Ah bah, regardez, il y a tellement de monde autour de nous, ça fait un peu... Ouais, c'est vrai, c'est abusé. Bah, en fait, là, je passais là, je me promenais un petit peu avant d'aller bosser. Mais ouais. Voilà, je t'ai trouvé ravissante. Et, merci beaucoup. Et voilà, au moins, je me disais, bah, autant parler, discuter un petit peu. Comment on peut te dire? Bravo pour ton courage. Merci, c'est gentil. Bah, en fait, c'est la toute première fois. Genre, je me suis dit, tiens, voilà. Arrête, tu vas me faire rougir là, voilà. En fait, là, j'ai pas trop le temps parce que là, je me promène, mais après, je dois aller photographier un petit peu. Oui. Mais ouais, voilà, c'est ça, je fais des trucs sympas et c'est cool. Super. Et je me disais, bah, si tu voudrais qu'on se voit, je pourrais prendre ton WhatsApp et tout. Alors, je suis prise déjà. Ok, ouais. D'accord, un Kevin, c'est ça. Non, pas un Kevin, ça, c'est mon frère. Ah, oh, merde. Je suis pas en France, alors, d'accord. Ça va être compliqué. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Mais non, mais il n'y a pas de problème. Ben, merci. Tu m'as donné le sourire, franchement, ça fait plaisir. J'en suis ravie, toi aussi. Attends, tu m'as donné le sourire. Ah, merci, vas-y, passe une bonne journée. Ciao. Voilà, bien. Bonne énergie. Toujours le problème, tu l'as quand même, vous voyez. Moi, je pense que. C'est ça le problème. Si elle a 10 ou 20 ans de plus que toi, faut la tutoyer. Mais de base, tu l'as tutoyée à la fin. Ouais, c'est vrai. Mais de base, je fais pas ça, c'est trop bizarre. Attends, on est à combien là? Ah, je sais pas. Il faut appuyer là. 132. Ça descend pas, hein. En fait, ce qui serait bien, c'est de regarder avant de l'aborder. C'est-à-dire que
on regarde comment ça monte, parce que le pic il est vraiment juste avant d'y aller. C'est bien de placer que tu fais des photos, tu fais des trucs sympas, ça c'est bien, tu vois, t'as gagné des points. Ça dit on reste en contact, t'as WhatsApp, c'était plutôt bien amené. Après là voilà, et ton couple, c'est comme ça. Tu vois, les plus belles filles très souvent elles sont en couple. Mais des fois tu vas tomber sur des filles célibataires. Salut, excuse-moi, en fait je t'ai vu de l'autre côté et je t'ai trouvé. Alors vas-y, je vais me décaler là, je t'ai trouvé trop ravissante et je me suis dit, vas-y, ah merde, t'es tu m'as vouvoyé là? Ah oui. Tu m'as vouvoyé? Ah putain, j'ai l'air si vieux que ça. Non, regarde, je suis un peu jeune. Ah ok, d'accord, t'as quel âge? J'ai 14 ans. Ok, d'accord, ça marche. Bah écoute, passe une bonne journée. Merci. Et franchement, continue, t'as une belle énergie. Merci. Ciao. Oh là 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 là, putain. Oh là là. Oh le blacklist. Oh le blacklist de ouf. J'ai pas écouté, elle a dit quoi? Elle a 14 ans. 14 ans? Ouais. Cette femme est recherchée. Non, non, non. Oh là 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 là, c'est de pire en pire. Bonjour, excusez-moi. Bonjour, excusez-moi. Oh, désolé, je vous ai fait peur. Désolé, vous êtes parlé français? Oui, oui. D'accord. Oh, tu. Bon, non, excuse-moi, désolé. En fait, je t'ai vu de l'autre côté et je t'ai trouvé vraiment très belle et radieuse et tout. Et je me suis dit, bah, autant venir te parler, mais je t'ai plus fait peur, donc je commence très mal. Non, 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 non. En tout cas, c'est très gentil, j'ai d'accord, ok, ça marche. Bah... C'est gentil, c'est super plaisir. Il n'y a pas de problème. Bonne journée, désolé. Enfin, d'accord. C'est la okay. Musique. Bah, enjoy the music. Franchement, merci. La musique, c'est toute une vie. Ciao. Bon, on laisse en plan séquence. On laisse en plan séquence. Tu vas enchaîner tout de suite là en face. Là. Chemise blanche. Bonjour, excusez-moi. En fait, je t'ai observé de l'autre côté et je t'ai trouvé bon appétit et ravissante. Et je me suis dit, autant venir tenter ma chance et essayer. C'est très courageux de ta part, en tout cas. Merci, c'est gentil. Et c'est très gentil, pourtant, tu vois, je suis pas maquillée, je vais me réveiller. Mais en vrai, le naturel, ça va et tout. Et voilà, tu te promènes et tout à Paris. Voilà, avant d'aller au travail, je pense à ok, d'accord. Et ouais, moi aussi, je vais pas tarder à aller au travail et tout. Moi, je bosse dans la photo. Tu bosses dans la photo? Ouais, un petit peu. Bah, en fait, c'est juste pour le fun, tu vois. Mais sinon, je suis en études de biologie. Ouais, c'est vraiment, c'est trop bien et tout. Tu es en études dans quoi? En biologie, là. Biologie. Ouais, et toi? Moi, je travaille dans l'hôtellerie. Ça va, ça se passe bien, les touristes et tout, ça a l'air de fructifier. Ça reprend l'activité. Mais du coup, t'as quel âge, sans discrétion? J'ai 22 ans. 22 ans, ok. Ouais, moi, j'ai 24 ans. Ok, d'accord. Un peu plus vieille que toi, mais en tout cas. Et oh là, ça fait pas tout, hein. Genre, comment tu m'as jugé? Oh mon dieu! En tout cas, franchement, c'est grave chou et tout, donc c'est gentil. T'as un réseau social, hein? Ouais, bah, si tu veux, on peut essayer WhatsApp, si tu veux. En plus, je voulais pas te déranger, là, t'étais en mode comme ça. Non, je me dérange pas du tout, mais en tout cas. Il est stylé ton pendentif, c'est quoi? C'est, je sais pas. C'est égyptien? Non, pas du tout, je sais pas. Non, le pendentif. Ah, tu parles de ça? Ouais, c'est ça. Ouais, j'achète ça dans une petite boutique indépendante, je sais pas. Ok, voilà. Trop bien, trop bien. En fait, je suis déjà allé en Égypte et tout, donc ça me faisait grave penser à ça. Ouais, franchement, j'ai pas mal voyagé, franchement, c'est cool. Bah, si tu veux, WhatsApp, je peux prendre. Ok, moi, ah oui! Moi, je m'appelle Camille. Parce que... Je m'appelle Camille. On a parlé, mais. Je m'appelle Camille et toi? Camille, enchantée, moi, c'est. Ok. Oh, voilà. moi, je suis réunionnais, mais je suis pas du tout. D'accord, ok. Je suis pas du tout d'ici, mais. Ça fait combien de temps que t'es sur Paris? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Ah ouais, ça commence à faire comme moi. Ça fait 4 ans. Ah ouais? Et donc, ouais. Tu venais d'Espagne, c'est ça? Je suis d'origine autrichienne et espagnole. Je suis désolée, hein, je te vois pas du tout chez toi. Ah oui, soleil. Attends, vas-y, on va se mettre sur le côté. Désolée. C'est rare, genre, il n'y a plus beaucoup de garçons qui font ça. Non mais en fait de base je fais pas ça mais je t'ai vraiment trouvé et je me suis dit tiens vas-y autant venir merci et tu vas me faire rougir ouais. Mais voilà bah écoute bah si ça te dit qu'on se revoit et tout ce sera avec un plaisir. Je te laisse mon numéro en tout cas. D'accord, ok, tiens. En tout cas c'est très appréciable. 06. Ok, ça marche. Ça me plaît qu'un mec me trouve belle au naturel, hein, c'est gentil, merci beaucoup, je vais me réveiller. Ouais, bon après, vas-y, je suis pas le mec relou avec le sweat. D'accord, mais je t'enverrai un message sur WhatsApp avec mon prénom. Et si ça te dirait qu'on aille faire un truc. Moi, je suis plus danser, tu vois, mais moi je suis pas. Danser, carrément. Ouais, je danse. Non, moi je suis plus en mode danser, mais si tu veux, on voulait boire un café, un truc comme ça. Mais danser, why not, hein, mais moi je suis pas une grande danseuse. Non, mais. Je kiffe un petit peu la vie, donc j'aime trop la musique et tout. Donc. Non, moi aussi j'adore la musique. Ah ouais, t'écoutes quoi comme musique?
De tout. De la variété française, du rap, de la deep house, de la house, de la pro, de tout. Mais trop bien. J'adore la musique, j'adore l'art en général. Ah ouais, bah franchement, bah moi j'aime beaucoup ça aussi. Bah en fait j'ai bossé en tant que... J'ai rencontré des personnes un petit peu dans la musique et tout. Je fais souvent des soirées et tout, un peu techno. Ouais, j'adore. Voilà, et... C'est sympa, bah moi je parle à Nicolas aussi. Là, c'était dans le jeu. Ah ouais! Franchement, bah, c'est cool. Ouais. Mmh. Bah, après, c'est un petit peu trop touristique pour moi. Mais après, moi, je préfère les endroits un petit peu. Peut-être la Croatie. En Colombie, en non, Croatie. Non, attends. En vrai, Croatie, c'est pas mal. Franchement, ouais. Croatie, c'est vraiment pas mal et tout. Donc, tu rencontres plein de gens. Donc, j'ai jamais fait Croatie, mais ouais. Bah, après, j'ai pas mal voyagé. Mais plus pour découvrir par moi-même, tu vois. Okay, j'ai fait l'Inde, le Népal et tout, franchement. Ah, ouais. Je suis allée en Inde. Ah ouais, t'es allée où? Tout le Rajasthan, Jaipur, Udaipur. C'est trop magnifique, j'ai trop aimé. Par contre, tu manges tellement bien. J'ai tellement bien mangé là-bas. Ouais, mais c'est épicé quand même. Hein. Bah, moi, je viens de la Réunion de base, donc. Rice not spicy, et des grains spicy. Donc, ça marche. Ouais. Bah, je vais te laisser reprendre ton chemin et moi, je dois y aller de toute manière. Merci. Mais c'est un plaisir. Et ça fait toujours plaisir de faire des rencontres comme ça. Mais merci. Vrai, plutôt qu'en virtuel. En vrai, moi je suis pas du tout réseaux sociaux. J'aime vraiment pas. Parce que genre, j'ai l'impression d'être au marché et c'est détériorant. Si tu fonctionnais comme ça, c'est les vraies rencontres en vrai qui sont les mieux. Donc okay. Tu as bien raison. D'accord. Okay. Bah, un plaisir. Allez, ciao. Salut. Merci à toi aussi. Yes, Harry Freeman. Bien joué. Merci mec. Tu vois, non mais ça c'est symbolique. On reste pas sur un échec. T'as vu juste avant? Ouais. Genre j'étais choqué quand elle continuait la discussion et tout. C'est bien parce que même une fois que t'as pris le numéro, t'es quand même resté à parler. Ah ouais, je sais pas, les voyages, les trucs, ouais. Tout ça. C'était intéressant, donc t'as marqué des points, t'as continué. Les deux, t'as vous voyé deux fois de suite. J'ai même pas le temps de te dire arrête de vous voyer et là tu as revoyé. Après c'est bien, très vite t'es reparti sur le tutoiement. Voilà. Elle m'a vous voyé aussi, je crois. Bah oui, tu l'as vous voyé, elle t'a vous voyé. Mais non, bien. 145. En tout cas, bien joué. Combien? 145. Putain, même là, ça descend même, putain, le mec. 145. Donc, c'est bien. Premier contact, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Premier contact, ça fait quoi? Franchement. Elle était adorable, la voix, ouais, tout ça. C'est trop bien. Mais même les deux autres avant, elles étaient vraiment super sympas et tout. Mais après, là, tu vois, j'étais en mode pas tactile, mais tu vois, genre, je rigolais. Et voilà, quoi, ça s'est bien passé. Là, je suis encore un petit peu dans l'émotion, là, j'arrive dans pas les, à. Ouais. Elle t'a vraiment encouragé, t'as dit, ouais, mais c'est cool, t'as raison. Franchement, c'est top, faire une belle rencontre comme ça. Elle-même te l'a dit, ouais. Maintenant tout le monde est dans le virtuel, c'est bien de faire comme ça. Ouais, franchement, en plus c'est vrai que virtuel, vraiment ça sert à rien quoi. Genre, t'arrives à matcher avec une fille, ça va, très belle, mais tu lui envoies un message, mais elle a 46 000 messages avant quoi. C'est impossible presque. Et là il y a déjà le feeling, tu vois, là t'as discuté avec elle. Ouais. Là vous allez vous revoir, vous n'êtes pas des inconnus. Alors des fois tu vas parler 3 semaines avec quelqu'un sur internet, il y a la crainte de se dire est-ce qu'elle va être conforme à ce que je m'imagine. Parce qu'il y a une différence entre les photos. Mais là elle était pas maquillée, elle était vraiment belle, pas maquillée. Hein. C'était abusé, hein. Genre elle était. Et c'est ça je le dis en plus. C'est qu'en fait vous gagnez des points. Le fait de flasher sur une fille alors qu'elle est au naturel, elle, ça lui enlève de la pression. Parce que si vous flashez avec elle dans une soirée, à 2h du matin, alcoolisée, et elle est au top, elle est à 100% de son potentiel, elle va dire « Ouais, mais quand il va me revoir le matin, sans maquillage, il va peut-être être dégoûté de moi, je sais pas quoi. » Là, tu l'as vu naturelle, elle t'a plu, donc ça lui enlève de la pression. Ça se trouve, elle se dit ça. Si, il m'a kiffé là comme ça naturel, quand je vais m'habiller en bombasse, il va rien comprendre. Mais c'est bon, il avait une Apple Watch à 500€, une petite chemise coutière. Elle se dit « C'est bon, il va me payer. » Non, elle avait l'air de... Bah écoute. Non, elle avait l'air d'être cool, elle était cool. Elle a parlé de l'âge et tout, genre j'étais en mode. Mais non, y'a pas d'âge autre. J'ai peur, 24, 22, tu vois, c'était limite, tu vois, t'aurais dit 20, là je pense que c'était dead. Bah non, je vais pas mentir. Après, c'est bien, t'as dit ouais, l'âge on s'en fout. Mais là, tu l'as bien taclé, tu lui as dit quoi? Tu te dis, oh comment tu me juges, machin, sur l'âge, je sais plus comment tu lui as dit, ça c'était très bien. Pour qu'elle se sente obligée de dire, mais non, mais on s'en fout de là, tu vois. Donc tu l'as mis dos au mur, ça sur ça, c'est très bien. Donc voilà, mais on continue, voilà, c'est le début de la journée, c'est top. On enchaîne, non? Est-ce que vous avez apprécié le plan séquence? Le plan séquence, le petit pouce bleu, les gars, gros pouce bleu, les gars. Salut, excuse-moi. Désolé, je t'ai croisé de l'autre côté et je t'ai trouvé grave jolie et t'avais un beau follow. Non mais en vrai, voilà. Tu parles français, ça va? Oui. Ok, d'accord. Non, en fait, je t'avais vu là. T'es rentré dans le état, mais je me suis dit, tiens, non, je vais pas et je te vois ressortir. Bon, après, ça fait un petit peu en mode, non, je suis pas du tout stalker, t'inquiète, mais je t'ai trouvé ravissante et je me dis, pourquoi pas venir te parler. D'accord, bah ouais, t'as l'air un peu timide et tout, ou un peu bizarre. Non, mais t'inquiète, ça va, je suis cool. Et voilà, bah, t'es de Paris? Oui. Ok, d'accord. Bah moi, en fait, je suis de Nogent-sur-Marne, mais en fait, de base, je suis de La Réunion. Donc ouais, j'ai voyagé loin pour te voir. Donc ouais, toi, tu fais quoi sur Paris? Désolé. Là, je suis en école de théâtre. Ok, d'accord, t'es à Conflans? Non.
Trop bien. Ok, bon, ma meilleure amie, elle est à Courfeyrac et franchement, elle s'éclate et tout. Bon, en tout cas, voilà. Mais j'étais. Ah oui, moi je suis Camille, enchantée. Ok, oh, stylé. Et voilà, moi je suis en biologie, en fac de biologie. Et. Mais en fait, je voudrais bien prendre ton contact parce qu'en fait, là, ça te dirait, parce qu'en fait, là, je vais aller bosser. Mais si tu veux que on retrouve dans des meilleures conditions, parce que là, tu veux profiter, tu veux aller dans les magasins et tout. Si ça te dit, ça te dirait ? Ok, si tu veux. Ok, bah ok. Voilà, bah, je t'enverrai ta WhatsApp. Ouais. Ok, ça marche. En vrai, je te trouvais grave cool et tout, et je me suis dit pourquoi pas essayer. Et en plus, t'as trop beaux yeux en plus, vraiment. Ça vient du cœur. T'es en quelle année ? Moi, je suis en L2. Et après, je vais passer. Je retourne en L1. Ouais, mon parcours est un peu spécifique. T'es né en 2001 du coup ? Non, je suis en 2000. 2000 ? Voilà, c'est ça. J'ai pas mal. Ah, t'es une 2000 aussi ? T'avais peur que je sois trop jeune, c'est ça ? Non, t'inquiète. Voilà. Bah écoute, je t'enverrai un message. Mais en plus, c'est trop bien que tu fais ça parce que moi je fais un peu de photographie et des adaptés en movie, donc vas-y, je pense ah ouais que. Ouais, franchement. Parce qu'en ouais ce moment, j'ai besoin de portraits en plus, donc ah ouais je peux me les faire, tout ça, vachement. Ah, que je te fasse ouais. Bah, t'as un appareil photo ou tu préfères que j'amène le mien? Le mien il passe, mais il est pas ouf, quoi. D'accord. Bah attends, je te montre un petit peu vite fait ce que je fais et tout. Voilà quoi, je fais des after movie de soirée, mais c'est juste pour la passion, tu vois. Tu vas beaucoup en soirée du coup? Ouais, ça. Bah là, ce soir, bah là, je dois aller photographier. Donc là, je vais en soirée pour photographier la soirée. Et voilà, c'est cool, ça se passe et tout. Et toi, tu fais pas mal de soirées? Non, pas trop. Moi, j'ai plus la tête du gros fêtard, c'est ça? Ouais. Ah ouais? Tant que ça? Ouais, tu me vois comment? Vas-y, viens, comment tu me vois? Vas-y, attends, je peux prendre un petit peu de temps, vas-y. Non, je pense que t'es sérieux quand même, niveau études et tout, mais que ouais t'aimes bien t'amuser aussi à côté. Bah en fait, c'est souvent les meilleurs teufeurs, c'est plutôt les meilleurs travailleurs. Ouais. Après ce que je dis, mais ouais, en vrai, les études c'est super important et je vais juste te mettre mon prénom et voilà quoi. Okay. Et si ça te dit qu'on aille faire, qu'est-ce que tu aimes faire? Aller au cinéma? Non, cinéma, bizarre. Surtout qu'il n'y a pas grand-chose en ce moment. Ouais, c'est vrai. Bah après, The Batman, il était ouf, vraiment. Moi, ce que j'aime bien, c'est beaucoup danser. La musique, la photographie et tout, franchement, si ça te dit, on préfère ça. Bah écoute, on verra ce que ça va nous donner, mais un plaisir. Ciao! Salut! Salut! Mais à côté de moi, elle m'a vu? À côté, mais elle a pas regardé, donc je pense pas qu'elle a vu. Bon, bien joué! Bien joué. Ce qui paraît, il y a la première qui est passée. Alors, oui, des petites anecdotes à raconter là. Déjà tout à l'heure, on a croisé qui? Mon ex. Donc on a croisé son ex, mais elle t'a pas vu, c'est ça? Ah, elle m'a pas vu. Pendant que là t'as abordé la dernière, là, celle à qui tu viens de prendre le contact, il y a celle en chemise blanche qui est passée. Mais on sait pas si elle t'a vu, je pense que oui, parce qu'elle est passée à côté, donc Bah... Ciao, hein. Ciao, bye bye, hein. Je sais pas, hein. J'ai trop le seum. J'ai trop le seum parce que je m'entendais mieux avec la première, en fait. Tu lui avais envoyé un message ou pas encore? Pas encore. Mais on change, on va ailleurs. On reste pas dans le... Je sais pas où. Là, il est cramé, dans le secteur, il est cramé, là. Là, t'abordes deux meufs, sur les deux elles se croisent, c'est pas possible. Oh! Quoi? C'est elle? Mais c'est elle! Attendez, on peut filmer, mais on floute la tête. On présente mademoiselle. Je sais pas si on voit bien. Je sais pas si le nombre de pixels suffit pour puissiez mettre dans l'ambiance. Mais... Frère, déjà, au naturel, elle était magnifique, mais. Si je la revois pas, je suis trop seul. Fini. Allez, allons par là. Salut. Excuse-moi. T'avais l'air pressé et tout. Désolé. Non, en fait, je t'ai vu au passage piéton. Et j'étais vraiment... Je kiffe trop tes lunettes. Et je t'ai trouvé vraiment ravissante. Et voilà, je me suis dit, bah autant venir te parler et tout. Mais de toute manière, moi aussi, je suis un petit peu pressé. Mais si ouais, ça te dit qu'on reste en contact, ça n'engage à rien, ouais, si tu veux. Je préfère WhatsApp, ça dérange pas. Je t'enverrai un message avec mon frère. Ah oui, moi je m'appelle Camille en passant, désolé. Un contact. Non, j'aime trop les lunettes, donc vas-y, impossible que je ne pouvais pas. Voilà, bah écoute, je vais pas te retraire des plus. Je t'enverrai un message avec mon prénom. Et vas-y, passe une très bonne journée. Au revoir. Bien joué, rapide, efficace. C'est ce que vous aimez là, pouce bleu là, quand c'est rapide, efficace, on perd pas de temps. Alors, moi ce que j'aime bien, c'est quand vous prenez rapidement le contact, ce qui s'est passé là, mais ce qui aurait été encore mieux, c'est qu'à la fin, tu restes plus longtemps à parler. Tu vois? Et tu t'es pas trop.
Elle est quoi? Elle était pas à ton goût, c'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Pas qu'elle tombe sur la vidéo. T'as expédié parce que justement elle te plaisait pas de ouf. C'est pour ça que t'as fait boire les vésières. Ouais, c'est ça. Juste deux secondes. Non, il n'y a pas de problème. Oui. T'inquiète. Je voulais. Tu étais occupée? Tu téléphonais? Non, du tout, j'écoutais la musique. Oh, stylé, d'accord. En fait, juste, j'étais vu. J'étais en train d'attendre des potes pour aller faire de la photo. Et en vrai, ouais, désolé. Et en fait, j'adore trop ta robe et t'avais un vrai style. Et, putain, t'as des beaux yeux. Vas-y, attends, je suis perturbé de ouf. Et voilà. Je me suis dit, bon, plus il fait beau et tout, les parcelles sont terminées. Ouais. Et je me dis, vas-y. Ah, moi, j'ai pas de parcelles, mais ouais. Tu fais quoi dans la vie? Je travaille chez. Je vais bosser en pharmacie aussi, donc okay. Voilà. Alors, tu fais quoi? Je vais partir en pharma cette année. En fait, je finis ma licence de bio. Ah, oui, excuse-moi, vas-y, je me décale un petit peu parce que. Bah, après, je suis un petit peu pressé parce que là, je crois que j'ai dû en mettre ça qui soit arrivé. Ouais, quelque chose. Mais si tu veux, on pourra reprendre cette conversation ultérieurement. Et si tu veux, on peut s'échanger nos WhatsApp si ça te dit. Ouais, vas-y. Après, si tu vois, ça engage à rien, ouais, tranquille, tu vois. Ouais, vas-y. Wesh, c'est quoi ça? C'est quoi comme pierre? Je sais pas, j'ai acheté ça. En vrai, c'est joli, donc t'as raison. Oui, ça va. Ça va, trop stylé. Putain, mais t'as un vrai style de ouf, bien flashy. Genre une Spice Girl, ouais. Carrément. Non, mais tranquille. Hop, ça, c'est mon numéro. Moi, c'est. Ah oui, moi c'est Camille, enchanté. Camille, voilà. T'habites à Paris du coup? Ah ouais, non, je suis en Marne, pas très loin et tout. Voilà, on va me mettre ça si tu veux. Donc je dois y aller, désolé, j'ai un peu de temps. D'accord, mais ça marche. Ciao. On t'a des dispo là bientôt? Tu veux passer? Toujours chaud? Vas-y. T'es chaud? Petite chemise Tommy Finger. Ah, attends. Peut-être un futur candidat, on ne sait pas. On verra. Je vous présente Sébastien, 42 ans, deux enfants. Putain, ciel. Ciel? Wow. 162 les gars, 162. Non. J'adore la chemise, hein. Ouais, c'est frère, ça. Un frère de chemise alors. Un frère de chemise, là. On est là, on est ensemble. Elle est descendue? Ouais, c'est bon. Ouais, parce que quand ça va là, elle remonte. Vas-y, bien joué. Il a fallu que je me fatigue un peu plus. Vends-toi, mets-toi un peu plus en avant. T'as juste dit, ouais, je suis en pharma, je sais pas quoi. Mais dis à côté aussi, c'est bien de dire ça. Donc là, tu montres la sécurité, l'argent qui rentre dans la popoche. Donc ça, c'est important de placer ça, tu l'as placé. Oh, mais là après, là. Faut montrer. Tu vis sur une planète? Non. C'est la base de la vie. Hein. C'est la vérité. Si tu montres pas que tu vas ramener, c'est toi qui vas payer le loyer, tout ce que tu veux. Pour l'instant, c'est que tu veux rien ramener pour l'instant. Non, mais tu vas faire en pharma, bref. Donc, tu lui as montré que tu vas brasser de l'argent. Ça, c'est bon, c'est validé. Par contre, après, faut aussi montrer qu'il y a le côté, la fête que tu as dit à la celle qui avait la chemise, ouais, j'aime bien danser, j'aime bien faire la fête, je sais pas quoi. Ça, c'est très bien. Tu dis, ouais, photographie, un peu côté artistique, mais ça aussi en avant. Et là, tu es au top. Parce que le problème, c'est mettre que le côté festif, un peu bohémien, comme ça, en avant. Bah, la meuf, elle te dit, ouais, bon, ok, c'est un mec, il va se mettre des caisses, ça va être sympa, mais bon, il va glander sur le canapé, il va rien faire. Toi, tu combines les deux, tu vois. T'es sérieux au niveau des études, tu vas avoir un taf ouais, comme sérieux. Comme tu l'as fait avec la deuxième. C'est ça, c'est ça que je te dis. Mais là, t'as pas montré ton côté un peu artistique, photographe, sortie. Ouais, après photographe, pas un grand photographe, mais. Et on s'en fout. Tu le places. Tu dis, là, tu peux le dire. Voilà, je dois y aller. C'est très bien de le dire. En plus, c'est la vérité. Là, tu vas en soirée, photographier la soirée. Là, t'aurais dit ça. Ah, cool. Après, attention, parce que là, tu t'excites un peu tout seul pour pas grand chose. Elle te dit, j'écoutais de la musique. Ah, oh, stylé. Je voulais. T'étais occupé? Tu téléphonais? Non, du tout, j'écoutais la musique. Oh, stylé, d'accord. En fait, juste, je t'ai vu. Bah là, j'étais en train de faire mes courses. Oh, mais ouais, stylé de ouf! Oh, stylé! Tu vois, attention à la surréaction, overreact. Je prends le métro, ouais, moi aussi! Tu descends la ligne 6. La ligne 6, incroyable! Moi, c'est la ligne 5, tu vois, c'est presque, c'est pas 6, mais c'est presque, quoi. Putain, on aurait presque pu prendre la même ligne. Non, mais vraiment, wow! Donc, c'était juste ça, j'ai trouvé ça marrant. Mais voilà, n'hésite pas à montrer toutes les palettes de ta personnalité. Parce qu'après, là, les filles hein, que t'as vues, elles cogitent après. Parce que là, c'est la rencontre, la magie de la rencontre. Et après, elle est toute seule dans le métro, elle rentre chez elle, elle cogite, elle dit « Ouais, mais au final, le mec, c'est juste comment il s'appelle, c'est tout. Je sais même pas où est-ce qu'il habite, je sais même pas où... » Alors ça, oui, là, tu l'as dit. Mais si vous donnez aucune information sur vous, elle se dit « Mais en fait, le mec, je connais pas. » Je dis « Putain, mais attends, c'est un inconnu, je sais pas. » Et après, elles peuvent se revenir sur leur décision, enfin, tu vois, et ne pas répondre, tu vois. Salut, est-ce que... Oh, désolé, je t'ai fait trop peur. Non, désolé. En fait, je t'ai croisé là-bas et j'étais. J'adore tes lunettes. Moi, je suis un grand fan de lunettes, mais vas-y, excuse le bidon. Mais en vrai, je trouvais que t'avais un grave un style, t'avais des trop beaux cheveux. Et vas-y, je me suis dit, autant vas-y te parler et discuter un petit peu. C'est gentil, mec. Bah écoute.
en fait, Eva, c'est de la drague ou pas? Non, mais je t'ai trouvé, voilà, je t'ai trouvé très belle et je suis venu te voir parce que t'es en mode de dire, ouais, bizarre. Non, c'est pas bizarre. Et puis, si jamais c'est, copain, c'est cool. Sinon, c'est un copain, pas copain, du coup, genre vrai copain... Bah on verra. Genre je sais pas, moi je sais pas comme ça. Je t'ai vu, t'avais un beau flow, genre tu m'inspirais grave franchement si je me suis dit voilà. Mais attends, c'est des rétro super futurs ou c'est des. Non mais en vrai ça m'a pas, toi, elle me les apprécie. C'est des Shane? Je crois que c'est Shane, ouais. Ouais, c'est ça. Ça a rien de ouf en vrai. Hein. Ouais, c'est vrai, un look de ouf et tout. Ouais, mais toi bien. Tu fais quoi dans la vie? Genre oui, je m'appelle Camille, enchanté. Camille? Ouais. Ok, et tu fais quoi dans la vie? Je suis en prépa littéraire. Et moi, bah, en fait, je suis étudiant ici, en biologie. Vas-y, viens, on va se décaler un petit peu. T'allais rejoindre ouais, des potes? Ouais, et bah, franchement, moi, je vais la rejoindre. Bah là, elle m'envoie sa localisation. Et donc, tu vas tenter l'ENS, c'est ça? Non, j'ai fait des concours déjà, mais... Bah écoute, moi, je vais te laisser aller vers ta pote. Et si ça te dit, ça engage à rien et tout. Voilà, comme tu veux, comme tu veux. On peut s'échanger nos WhatsApp. Et voilà, nos WhatsApp. WhatsApp, vas-y. Et WhatsApp, c'est quoi ça? J'ai cru. Oh, la boumeuse. Attends, putain, j'ai oublié ton prénom, excuse-moi, je suis un peu fatigué. D'accord. Bah, salut, c'est un plaisir, ciao. Salut. Excuse-moi, juste 2 secondes. Oula, je marche un peu vite à reculons. Tu veux marcher en droit? Non, t'inquiète. Moi, voilà, je t'ai vu de l'autre côté. Ouais. Et je trouve, ouais, t'as trop beaux yeux, c'est abusé. Mais il n'y a pas de problème. Et j'ai vu, t'avais une bonne aura, t'avais un bon look, ça... Il n'y a pas de problème. En fait, j'allais au boulot là, mais je me suis dit, vas-y, je vais prendre un petit peu 5-6 minutes pour venir te parler. Oh, arrête, tu me fais rougir. Ah ouais? Non mais y a pas de problème. Moi je m'appelle Camille et toi? Donc là tu vas d'un point A à un point B, c'est ça? Ou tu là, te promènes? Je me suis promenée toute la journée. Mon beau là. Ex copain. Oula, c'est bizarre ça. Clarifier les choses. Ah ok, d'accord. Ok, ça marche. Tu fais quoi? Tu vas travailler? En fait, moi en gros tu vois genre j'ai encore du temps tu vois, il faut que je sois là-bas à 19h30. On arrête de marcher parce qu'on s'éloigne. Ouais voilà, non, ouais merci c'est gentil. Ouais merci c'est gentil. Bah ouais moi je bosse en fait je suis en licence de biologie à l'Université de Paris et je fais un peu de photographie pour le fun. Ah. Donc voilà c'est. Voilà. Tu photographies quoi? Je photographie des soirées, des événements. Oh, oui, j'adore. Tu veux voir? Tu veux voir? Tiens, attends, je vais te montrer. C'est quoi ton prénom? Camille. Non, mais c'est quoi ton... En fait, je le fais... Non, j'ai pas de nom d'artiste, je le fais juste pour le fun et je suis un peu trop timide pour montrer, mais... Et là, j'y retourne pour ce soir. C'est en boîte? Ouais, soirée étudiante. Cool. Tu fais ça à côté, genre? Ouais, c'est ça. Juste pour le fun et tout. Après, je fais aussi un peu de musique et tout. Voilà, j'aimerais trop pouvoir essayer de faire des beaux trucs et tout, mais métier artistique, c'est un petit peu compliqué, il y a beaucoup de monde et tout. Tu travailles là du coup? Non, là c'est juste pour le fun, tu vois, genre juste, je vais juste un petit peu payer. Ah, tu vas faire la soirée là? Ouais, je vais faire la soirée là, c'est ça. J'ai ma caméra à prendre, ouais, okay. J'ai mon flash Cobra à prendre, j'ai mon stabilisateur à prendre, j'ai mon panneau LED à prendre. C'est pas mal de choses. Ouais, c'est vrai, moi j'arrive comme ça, genre. Tu habites là, pas loin là? Ouais, j'habite à Nogent-sur-Marne. En fait, je suis parti là-bas, je suis allé rejoindre des potes pour boire un verre. D'accord. Voilà, et après, je vais pas tarder à me préparer pour y aller et tout. Mais voilà. Moi, toi, tu dois clarifier les choses avec le mec, et moi, je dois partir de l'autre côté. Okay, mais si ça te dit, on peut s'échanger nos WhatsApp, si ça te dit. Mais ça engage à rien. Ouais. Okay. Je suis pas trop sur Insta, mais ouais. WhatsApp, je préfère. Non, à Paris et pas trop Insta. Moi, je viens pas de Paris de base, hein. Je suis pas d'originaire de Paris. Hein. Toi, t'es d'où? Je suis de Lille. T'es de Lille? Ok. Moi, c'est presque. Moi, c'est l'île de la Réunion. Tu vois, rien à voir. Rien à voir, mais c'est pareil. Vas-y, on va faire genre que c'est pareil. Mais vraiment, t'as un vrai look et tout. Ah, c'est Karl Lagerfeld et tout. T'as vu, trop bien. Une petite paire de lunettes de chez Shane et ce serait parfait. Mais j'ai oublié mes lunettes de soleil chez moi. Ah ouais, et c'est quoi? C'est quoi comme lunettes? Non, en fait, donc t'es pas de Paris. En gros, t'étudies à Paris ou?
Donc voilà, je vais pas trop tarder, mais si ça te dit, juste voilà, pour boire un verre ou peut-être, voilà, juste discuter du bon temps et tout. Mais merci, ça m'a fait, tu m'as refait ma journée et tout. Mais je m'attendais vraiment pas, hein, genre, je me suis dit, waouh, elle a l'air trop sympa et tout. Et vas-y, on va tenter. Ciao. Merci. Salut. Voilà, on va voir la puissance. Oh, ça va, elle était cool, elle était vraiment cool. Mais le timing de ouf, hein. Franchement, à peine elle sort, voilà, c'est fini. C'était voilà. Fraîche, hein. Ouais, franchement, elle était fraîche et tout. Ça lui faisait plaisir. Après, je suis peut-être un peu parti sur les aigus, un petit peu. Non, c'était bien, elle a apprécié. Franchement, feeling de ouf, très sympa. Voilà, elle était un petit peu pressée, elle était pas trop dans le mood aussi, j'avais vu. Mais voilà, franchement, elle avait le sourire et trop content. Vas-y, bah c'est parti. Donc là, il y en a déjà deux qui t'ont répondu, c'est ça? Ouais. Ok, oh, good. Salut, excuse-moi. Bon appétit. Juste, en fait, je t'ai vu là, ouais. Et je trouvais que t'avais un vrai flow. Et surtout avec les tatouages derrière. Et oh, t'as l'air un petit peu en mode bizarre le mec, non, et tout, tu non, vois. J'ai pas trop l'habitude, je t'avoue. Mais... Ah, ok, bah non, en fait, moi non plus, en fait, je t'ai vu ça et je me dis, waouh, elle a un vrai flow, donc vas-y, on va peut-être aller parler, discuter juste pour voir. C'est gentil, je te remercie, bah, salut. Salut, moi je m'appelle Camille, enchanté. Voilà, et en fait, j'étais juste là-bas, en fait, je devais aller à mon taf après, mais je me suis dit, vas-y, parler un petit peu, discuter. Mais non, en vrai, en fait, je photographie pour les soirées, et en vrai, juste pour le kiff, juste pour le kiff. Pour le kiff. Ouais, juste pour le kiff. Alors, en fait, de base, je suis en licence de biologie, mais je vais passer en pharmacie maintenant. Ok, je vois. Et toi, tu fais quoi? Et donc là, mode touriste, en mode profiter de la vie et tout, ou ça va aller réviser pour le rattrapage peut-être? Ah non, j'ai fini les cours, je stage là, mais je rentre chez moi. Putain, mais qu'est-ce qui tape le soleil en plus? Ah, ça fait du bien, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Moi avant je le voyais tout le temps, bon maintenant ça me manque beaucoup. Moi je viens de La Réunion de base. Ah ouais. Ouais, c'est vrai. Je viens du Nord et je reviens de Londres là, donc... Tout ça, Picardie, Normandie, un truc comme ça? Moi je dois aller partir là-bas, ouais. Et si ça te dirait, bon ça n'engage à rien et tout, si on peut prendre le WhatsApp. Après si tu veux, hein, vas-y, tranquille. Hein. Si tu veux. Ça peut être cool en vrai, parce que moi je me dis, ouais vas-y. Après là t'as l'air un peu fatigué. Je suis très fatigué. Ouais c'est ça. Je vraiment pas où on est. Mais non mais il y a... J'ai déménagé cette semaine, je finis ma semaine de boulot, j'ai eu une longue journée, je suis fatigué. Mais écoute c'est bien, tu t'en arrêtes pas là. C'est... Au moins si je t'ai redonné le sourire, c'est une victoire. Voilà. Ça ou le croissant, les deux. Le croissant, c'est vrai que c'est ouf. Je préfère pas au chocolat. Bah après, c'est croissant au chocolat, donc ça doit être un bon mix. C'est ça, je me suis dit, c'est merde des deux mondes. Bah vas-y, je te laisse noter, je t'enverrai un petit message avec mon nom prénom si. Tu peux, tu en fais ce que tu veux, tu peux effacer, tu écrases, tu le mets au feu, comme tu veux. Bon, pas ton téléphone, mais... Ah non, ça vaut pas mon téléphone. Non. Il est pas ouf, mais... Ouais, il est trop utile. Bah merci beaucoup, bah vas-y, kiffe bien, et franchement, mais continue à sourire, wesh. Ouais, là, t'es là, tu râles un petit peu. Profite, ouais. Ça a l'air sympa, ça a l'air cool. Ouais, c'est ça, j'ai un peu mal à la tête, mais ouais. Bah écoute, ça m'a un plaisir, bah, C4, si ça te dit, moi, ça va. Tranquille, ciao. Noir là, grave noir là. Ouais, I see you over there, and I find you very cute. On va essayer de voir si on peut récupérer la miniature. Hein. Moi, je viens de La Réunion, ça n'a aucun rapport. Il était à 142. Il y avait deux meufs qui faisaient comme ça, je croyais que c'était pour moi. Non, c'était une voiture. Ok, bah non, mais t'inquiète, tranquille. Une histoire magique à raconter aux petits-enfants. En plus, nature et découverte, mais c'est trop bien. En courant, j'ai perdu mes écouteurs, là, qui étaient accrochés. Ils sont tous ensemble. Putain. Donc, j'ai failli me faire écraser 6 fois par une voiture. Bah oui, mais sinon, tu vas jamais trouver un avion comme ça. En plus, c'est la vérité. Bien joué. Merci mec, je suis un peu fatigué, je vais pas te mentir. Mais toi aussi un petit peu, t'as pris un peu de soleil, on a tous pris un peu de soleil, mais très bonne expérience. Bon, je me suis pris pas mal de recales et tout, on va pas toutes les mettre, mais après, une fois qu'on est lancé, ça va, tu vois. Après, t'avais raison, t'es un petit peu les aigus, ça va. Tu te rendras compte, tu verras. Ouais, c'est vrai. C'est quoi qui te paraissait le plus difficile? Arrêter les filles. C'est arrêter les filles le plus compliqué pour moi. Mais après, pour pouvoir discuter, la mettre à l'aise, ou rigoler, déconner un petit peu. Voilà quoi, ça fait partie du jeu et moi j'aime bien ces interactions sociales. Bon après je le ferai pas tout le temps mais voilà quoi, genre j'aime bien avoir un petit moment de répit et pas pouvoir enchaîner tout de suite et tout, c'est peut-être pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Et qu'est-ce qui t'a semblé facile? Une fois qu'elle était c'est trop gentil et tout, voilà je pouvais enchaîner et tout. On était là, on était bien, en plus t'étais pas très loin, tu disais qu'est-ce qu'il fallait faire, donc
voilà, pour ceux qui commencent à prendre un coaching avec toi, franchement, je pense que c'est pas mal. Voilà, parce qu'on n'est pas tous. Alors, même si on est tout seul, on peut se dire qu'il y a quelqu'un derrière toi, mais on est face au mur en fait, on est tout seul. Et le but c'est de progresser, voilà. Ah, c'est bien. Est-ce que tu es satisfait enfin, de... Franchement, ouais. Après, je sais pas si ça va déboucher à quelque chose, tous ces contacts, mais. Pour une première fois, tu la te dis. La première que j'ai pris le numéro, par contre. Masterclass, ouais, je vais pas te mentir, mais c'était très étonnant parce qu'elle me dit ah ouais mais moi j'ai l'habitude qu'on m'aborde en soirée, elle me disait ça et que là c'est vrai qu'elle était belle, c'est vrai que même naturelle elle était belle, elle se trouvait pas très belle mais c'est pratique quoi. T'es dynamique, t'as une bonne énergie, t'es très positif, même des fois trop, son copain, ah t'as un copain mais c'est génial, c'est super t'as un copain, voilà, j'ai écouté de la musique, stylé, tu vois. Donc des fois voilà, ça c'est. Tu refaisais des caisses un petit peu. Voilà, il faut juste que tu contrôles un peu ton énergie. Mais c'est bien, mieux vaut avoir trop d'énergie que pas assez. Parce que là, l'énergie est là, maintenant c'est juste à toi de la doser, la canaliser. Donc là, par rapport à ton évolution future, moi je pense que tu as un bon potentiel. Là tu t'écouteras, mais tu verras de toi-même, hein, tu te corrigeras de toi-même, tu vas dire ah d'accord, ah, c'est vrai que quasiment toutes mes fins de phrase, j'ai ah d'accord, c'est vrai. Comme ça, très souvent. Donc. Juste tu te poses par rapport à la voix, en plus t'as une voix grave quand tu me parles, là t'as une voix grave et des fois tes fins de phrase ça monte dans les aigus, mais ça va aller avec le fait de contrôler, de te canaliser, de contrôler ton énergie. Forcément si t'es un peu plus posé, bah t'auras la voix plus posée, plus grave, donc ça bon, tu vas le faire je pense assez facilement. Et après voilà, faut alors des fois tu le faisais bien, des fois tu le faisais pas du tout, voire pas assez, mais voilà, vends-toi, que ça soit sur tes activités, ce que tu fais, ce que t'aimes faire, aussi ton futur métier, parce qu'elles ont besoin d'en savoir plus sur toi. Pour te faire confiance. Et après, plus tard, quand tu arriveras justement à te poser, là, tu pourras sexualiser en étant un peu plus, tu vois, cash. Ouais, c'est vrai. Plonger dans son regard et être plus dans la séduction, dans le charme. Ouais. Faut la charmer. Là, tu étais vraiment sympathique. Là, tu étais sympathique, bon pote, gentil. Ah, ça engage à rien. Ouais, bah écoute, on peut rester entre potes, machin. Non, mais je pense que j'étais plus en mode charme avec la première que j'ai pris le numéro. Franchement, elle, ça allait bien parce qu'il y avait un bon feeling. Et celle en noir là, il y avait un bon truc. Il y avait un bon truc et je sentais que c'était plus. Voilà. En tout cas, bien joué. Merci à toi. Peut-être que tu as inspiré certaines personnes qui regardent la vidéo et qui vont se motiver. Donc, dédicace à ta communauté, c'est ça? Non, c'est pas ma communauté, mais dédicace à Freeman. Dédicace à la communauté de Freeman et le BGA et voilà. Voilà. Okay. Qui regardent ta vidéo, c'est ça? Avec attention. Ouais, j'espère. Donc. Si vous avez apprécié ce contenu de vidéo, vous pouvez le signaler avec un gros pouce bleu. C'est important pour l'algorithme YouTube. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche. Si vous voulez passer comme Camille, vous pouvez envoyer votre candidature. Si vous voulez un coaching qui n'est pas filmé, vous avez le contact en description. Et sur ce, encore bien joué à toi. Il faisait chaud, j'espère qu'on n'a pas pris de coups de soleil. Ah ouais, j'espère. Et sur ce, bah, prenez soin de vous, à bientôt et ciao.